ñun baykat semence kédougou amone nañ problème lol 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 avant ñuy def formation pour ñu mëna bay semence ciép maïs suñu gani ma ngi leen di ñaan ngeen jappalé ñu ci programme guerte bay yalla def na né man nañu bay semence ñaari semence né ngeen ñu jappalé ñu mëna bay ben semence muy ñett semence muy guerte gi ndax guerte gi am nañ jiw bi ga mais dafa dess guerte gi lita mu dess du problème ñun sun semence amne départ bi mais dafa am lo xamne li certifié bi ñi laaj xamaguñ yoon bi côté bobu na ngeen ñu won yoon pour ñu mëna def certifié semence racid manam semence mbokk daan nañ ñu joggé fu nek ñew fi mais semence bi nekulon qualité bi ñu joyito nak ñu formé ñu ñun ñi nga xamne ñoo fi nek Agna Diallo Yere Djuma Diallo Moustapha Pen Alpha Omar Sabodala ñu formé ñu ci côté bobu alhamdoulillah tay suñu semence bi bu gënë rek qualité la les intrants ensuite ces intrants quand est-ce qu'ils arrivent à destination c'est au mois d'août lors d'une réunion au SDDR de Sarajevo, j'avais préconisé que l'État s'appuie sur les opérateurs locaux, ceux qui sont de la région de Kédougou, puisqu'ils savent à quand l'hivernage va commencer et quand l'hivernage va finir. Mais ceux qui sont en dehors de Kédougou, ils amènent l'engrais tardivement. Et le triple 15, il faut le répandre le jour où vous semez, vous pouvez répandre. En ce qui concerne les matériels agricoles, monsieur le CNCR, vous savez qu'aujourd'hui dans le département de Saraya, il y a des gens qui sèment avec l'adaba pour vivre durant toute une journée. Ailleurs, on ne le voit pas. Donc, Kédougou a besoin, en tout cas, Saraya a besoin de matériel agricole. Griel, parce que vous ne pouvez pas détourner, à beau sensibiliser la jeunesse à retourner à la terre. S'il n'y a pas de matériel, ils n'iront jamais. Ils n'iront jamais. Ensuite, je vais aborder un point qui n'a pas été mentionné par l'ordre du jour, c'est-à-dire les duras, les sites d'orpaillage. Actuellement, vous dites que la jeunesse est en train de partir vers les sites d'orpaillage. C'est vrai. Mais il y a aussi d'autres qui défendent leur terroir. Si vous écoutez la radio, ça ne fait même pas une semaine, deux ou trois jours, les jeunes de Farandi sont opposés aux Chinois. Ils se sont opposés aux Chinois. Et ces Chinois ne sont pas seulement au Mali, ils sont au Sénégal cachés, avec la complicité de certains Sénégalais. Vous partez dans la Falémé aujourd'hui, même les hippopotames ont déserté le fleuve. Ils ont déserté le fleuve, parce que ce n'est plus de l'eau, c'est de la boue. Ce n'est plus de l'eau. Sincère, en tout cas, Saraya, Kédougou, la région de Kédougou a besoin de vous. Même si vous n'avez pas besoin de la région de Kédougou, nous avons besoin de vous. Merci. Nous avons un problème de baie, d'accord, problème matériel récolte, etc., post-récolte. Mais le problème de l'aménagement des surfaces, des terres, c'est un problème majeur, surtout à Saraya. Le problème de l'aménagement des surfaces, tu vois 200 femmes, 400 femmes qui opèrent dans un lopin de terre encore. 2 hectares, 3 hectares, 10 hectares maximum.